Le Rwanda, ce pays d'Afrique centrale, désormais en paix, offre la possibilité de passer des vacances peu ordinaires, celles de rencontrer les gorilles des montagnes. Et c'est aujourd'hui l'objectif de ce groupe de touristes français. 7 jours pour approcher les grands primates. Dès ce premier jour de voyage, ils découvrent la beauté du pays, mais également celui qui va les encadrer au cours de cette expérience unique. Capitaine de police et président d'une association de défense des gorilles, il s'agit de Fabrice. Le garde et le guide qui vont nous accompagner vont faire le point sur la manière dont il faut approcher les gorilles. Ils sont des animaux très pacifiques, très gentils, très doux. Donc il n'y aura aucune difficulté, il ne faut pas paniquer du tout. Si vous êtes impressionné, ben, vous restez à côté du garde et du guide. Et puis vous ouvrez les yeux, vous profitez du moment parce que c'est une rencontre extraordinaire. Mais évidemment, dans les groupes plus importants où on trouve 40 individus... Fabrice connaît bien les gorilles et sa présence rassure nos touristes comme Martine. Guichetière à la banque postale, elle attend depuis longtemps de faire ce voyage. Pas question de le rater. C'est un petit peu, je dirais, comme un rêve d'enfant. Vous vous êtes programmé ça depuis très longtemps. J'ai eu une grossesse en 1993, j'en ai eu une autre en 1995, donc ça vous empêche ce genre d'expédition. Puis l'occasion s'est présentée cette année. On en a discuté entre nous, mon mari et mes enfants. C'est un cadeau d'anniversaire. C'est l'aboutissement de mon rêve. Et le rêve va se concrétiser au nord-ouest du pays, à la frontière du Congo et de l'Ouganda. Une région agricole qui abrite des volcans de plus de 4800 mètres d'altitude. C'est ici que vivent les gorilles, dans les forêts de ces massifs volcaniques. Pour moi, c'est un voyage extraordinaire. Je ressens comme si j'étais dans un instant magique et je regarde le paysage dont je rêvais tant. Tout est très joli, je suis bien. Et ce voyage extraordinaire va se jouer ici, à Kinigi, un village au pied des volcans où les couleurs des robes des femmes claquent dans la lumière de fin de journée. Des femmes qui voient depuis 4 ans des milliers de touristes venus du monde entier pour vivre l'expérience gorille, comme on l'appelle ici. C'est là, 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 là. On est arrivé ici. Non, ici, ici, là. Vas-y, vas-y, passe. C'est ici qu'on va vous donner les clés. Vas-y, garde-toi en face. Japon. Béatrice. Bonjour. C'est pour nous, quoi. Vous nous laissez la place. Vous avez vu, là. Ce soir, on a l'avantage de voir toute la chaîne des volcans. Et pourtant, on est en saison des pluies. Hein. Mais on voit toute la chaîne. Comme je vous ai dit, donc, de l'autre côté, il y a l'Ouganda. Et là-bas, au fond, le Congo. Voilà, on est vraiment à la frontière des trois pays. Profitez-en avant que la nuit... Ne tombe. Un panorama à couper le souffle qui ne fera pas oublier le rendez-vous du lendemain, une première rencontre avec les gorilles. Et même si on se pose ce soir des questions quant à sa réussite, une chose est sûre pour le groupe comme pour Martine. Cette expérience unique n'a pas de prix. Le voyage coûte 3500 euros. Mais je peux vous dire que je ne les regrette pas, les 3500 euros. Ayant une famille, c'est bien sûr un budget... Ça, je ne vais pas dire un sacrifice, mais c'était de l'argent qui a été mis de côté pour toute autre chose. Des rêves qui sont comme ça, il faut les accomplir parce que c'est quelque chose d'intense en soi et qui, je pense, vous apportera une richesse que vous garderez tout le long de votre vie. In this heart lies for you. My love, my love.
7h du matin. Dans quelques heures à peine, notre groupe de touristes approchera les gorilles. Pour cela, il faut tout d'abord se rendre au bureau des guides. Un endroit cosy en plein cœur du parc des volcans. La réception, vous allez monter là-haut, là vous allez prendre du thé ou du café, comme vous voulez. Alors, comment c'est la réception? Thé ou café à volonté, le tourisme des gorilles génère chaque année 200 millions d'euros. Alors ici, on soigne l'accueil et le moindre détail. Une attention qui n'a pas échappé à notre touriste. Je découvre un endroit magique. Des gens très organisés, très ouverts, très gentils. Le directeur du parc vient nous saluer et je trouve ça très respectueux de sa part. Je voudrais vous présenter le guide qui va vous amener voir les gorilles. Il s'appelle Patience. Bonjour. On va se présenter et après vous parler un petit peu au sujet des gorilles et on va les voir. Le guide nous présente toute la famille qu'on va visiter, il nous présente leur mode de vie, leur période de gestation, enfin il nous a expliqué plein de choses. Je trouve ça très bien pour celui qui s'en est pas informé à l'avance. Pour les gorilles de montagne, l'espérance de vie est entre 35 ans et 45 ans. Et puis ils sont végétariens, ils mangent des plantes. Il nous présente les mesures à prendre pour les approcher. Il y a les 7 mètres de distance à respecter entre le gorille et nous. Et puis, il faut chuchoter, évidemment, pas faire de bruit, pas mettre de flash au moment où on prend en photo les gorilles. Il nous rassure en nous disant que ce sont des animaux pacifiques. Et c'est précieux, oui, pour pouvoir continuer à les approcher. Sinon, après, ils ne voudront plus accepter l'humain. Aujourd'hui, c'est à 2500 mètres d'altitude que le groupe va rencontrer les gorilles pour la première fois. Une famille d'une vingtaine de primates que Patience, comme tous les autres guides, savent approcher. Ils sont là, ils nous attendent. Je vais changer de langue, je vais parler le gorille. Oh, c'est la langue, c'est la communication avec les gorilles. Comme par exemple, quand nous arrivons tout près des gorilles, je fais comme ça. Ça, c'est pour demander audience et amadouer les gorilles. Il y a beaucoup de vocalisations qu'ils utilisent quand ils communiquent entre eux. Et nous maîtrisons la communication des gorilles et nous communiquons avec eux, ils communiquent avec nous. Quand il y a un problème, il y a un ça ne va pas, ils nous signalent et on peut même arrêter la visite. Le groupe va laisser Martine passer en tête, car tout le monde sait qu'elle attend avec impatience ce moment. Cette rencontre avec les gorilles qui va devenir une réalité dans quelques minutes, lorsque Patience va appeler ses éclaireurs, des pisteurs qui ont repéré l'endroit où se trouve la famille des gorilles. Bien, bien. Ok, maintenant, je viens de demander aux pisteurs là où ils sont. Ah, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas loin d'ici, c'est à quelques 3 minutes. On arrive, ils sont là, on nous attend là-bas. Je pense que ça fait plaisir parce que on est presque des gorilles, on est presque tout près des gorilles. On va arriver bientôt, on va se préparer et puis on va les voir. Tout se prépare bien, tout se présente bien. J'ai même pas peur. Eh oui, dans 2 minutes, plus que 2 minutes. C'est un moment très important parce que moi, par pudeur, de toute façon, je me dis je rentre chez eux. Est-ce que j'aimerais qu'on rentre chez moi comme ça? Et c'est avec beaucoup de retenue que Martine va pénétrer en territoire gorille et s'approcher de son rêve. Elle ne le sait pas encore, mais la nature va lui offrir ce que très peu ont pu admirer jusqu'alors. Une maman gorille et ses jumelles qui viennent de naître. En 30 ans, on n'a seulement recensé au Rwanda que 6 cas de naissance gémellaire. La première image que j'ai, c'est la maman avec ses deux bébés.
Les larmes, je les sens qui commencent à venir. C'est un instant très précieux. C'est un moment très fort. Je suis en train d'approcher une maman qui est en train de câliner ses deux bébés, de les protéger, elle les a contre elle. C'est puissant, c'est magique. Et c'est touchant. Mais la magie des gorilles n'a pas fini d'opérer. À quelques mètres seulement de la maman, c'est toute la famille qui va se dévoiler avec l'un de ses plus importants représentants. Planté tel un roc au milieu des feuilles de bambou, sa nourriture préférée, celui que l'on appelle le dos argenté à cause de la couleur de ses poils, va se manifester. Du haut de son 1,70 m, et avec toute sa force, il va faire comprendre que c'est lui qui commande la tribu. Voilà. C'est impressionnant. Il est vachement large du dos. Il fait 160 kg. Pourquoi il fait 160 kg? Il y en a des plus gros encore. Je vais manger les feuilles de bambou. Le dos argenté, le plus gros, les géants peuvent peser plus de 220 kg. Et puis, il est aussi le plus vieux. Il a 40 ans pour le moment. Il est né en 1971. D'accord. Olivier, tu le fais un peu. On le fait ici pour donner le passage aux femelles. Oui. Un pas derrière. Un pas derrière. Là. C'est la maman de ses deux enfants. Vous voyez? Allez, hop, on monte. Je m'attendais pas à les voir d'aussi près. Quoi. On a vraiment la chance. Il y a eu trop de barbarie autour de ces bêtes prestigieuses et je suis sereine de penser que toute l'équipe, les gardes forestiers, les pisteurs, ils continuent à travailler intensément pour la survie des gorilles. Je dis bravo et continuez comme ça, c'est merveilleux. Au lever du soleil, des hommes en vert parcourent la forêt. Ce sont les pisteurs chargés de repérer les familles de gorilles bien avant l'arrivée des guides et de leur groupe. Leur travail de localisation garantit ainsi aux touristes de voir et d'approcher les familles de primates. Vous voyez cette cassure de bambou, et ça a été fait par les gorilles. Et sur le sol, il y a les empreintes des pieds des gorilles. Si on observe bien, on voit que c'était orienté vers le nord. C'est pourquoi on va prendre cette direction pour pouvoir localiser les gorilles. Là-haut. Mais les pisteurs ne cherchent pas n'importe quelle famille. Seules celles habituées à la présence humaine les intéressent. Il s'agit de 8 groupes, soit environ 150 gorilles sur les 486 recensés au Rwanda. Et tous vivent pratiquement au même endroit. Ça c'est Roni. En observant ces poires qu'on trouve d'Assoni, on voit qu'ils sont argentés. On peut confirmer que c'est le chef qui a passé la nuit ici dans son nid. Alors, à partir de ce nid, on va pouvoir localiser les gorilles pour aujourd'hui.
Ce sont des scientifiques qui ont habitué ces familles à la présence humaine et qui ont appris aux pisteurs à communiquer avec les gorilles. Un langage très pratique, surtout quand on tombe sur un dos argenté en plein petit déjeuner. Ce chef de famille ne va pas franchement apprécier d'être dérangé. Une conversation va alors s'engager entre l'animal et les pisteurs. Le dos argenté va se planter devant la caméra. Il est le chef sur son territoire. Les pisteurs lui ont signifié leur respect. Calmement, l'animal reprend son petit déjeuner. Un pisteur note l'heure, la date et le lieu où ils ont rencontré le gorille, ainsi que son état de santé. Rien n'est à signaler. Un appel est donné au bureau des guides. Les visites peuvent commencer. Le tourisme des gorilles est une mécanique aussi bien réglée que du papier à musique. Les familles se trouvent dans la forêt ou dans une clairière. Combien de temps faut-il mettre pour les atteindre? Tous les matins, les guides se réunissent pour s'échanger les informations des pisteurs, très précieuses dans l'organisation des visites. Ces informations vont en fait permettre aux guides de former des groupes de touristes et de leur garantir de voir les gorilles dans de bonnes conditions. Ainsi, ceux qui ont des difficultés à marcher iront visiter des familles proches du bureau. En revanche, les plus sportifs auront le plaisir de marcher plus de 5 heures pour admirer les gorilles les plus éloignés. Une fois les groupes de touristes formés, un homme entre en jeu. Il s'agit de Prosper, le directeur du parc des volcans. Cet homme veille notamment à ce que chaque touriste ait payé son droit de visite. Il s'agit d'un permis d'une valeur de 390 euros, un passeport imposé aux touristes comme d'autres règles. C'est organisé et strictement réglementé. Chaque groupe de gorilles est visité par un groupe de 8 personnes et le groupe, la période d'observation, c'est seulement une heure. Tout est vraiment conçu pour limiter le dérangement, la perturbation. Toutes les visites se passent bien. On n'a pas de dérangement côté humain, mais aussi côté gorille. Le tourisme des gorilles est une économie également portée par ceux qui protègent tous les jours les primates. Une trentaine d'hommes divisés en petits groupes forment les patrouilles anti-braconnage. Tous les jours, ces hommes arpentent les forêts des volcans à la recherche du moindre piège. Si le braconnage est interdit au Rwanda, il n'en demeure pas moins que Damasen et ses hommes trouvent régulièrement des pièges dans la forêt. Ce sont les œuvres de braconniers qui chassent le buffle et l'antilope dans cette zone pourtant interdite et qui mettent ainsi en danger les gorilles. Quand les gorilles rencontrent un endroit où il y a des pièges, les gorilles sont quelquefois attrapés par ces pièges et puis ils risquent de mourir, de perdre leur vie, de perdre une partie du corps. Et ça, c'est très, très, très grave pour les gorilles. C'est comme ça. Ça arrive, puisque nous avons les gorilles qui n'ont pas de bras, et nous avons aussi même les gorilles qui n'ont pas de jambes. Avant d'être détruits, les pièges sont tous répertoriés sur une carte et photographiés. La direction du parc admet ne pas avoir eu depuis 2 ans d'accident avec les gorilles. En revanche, cette dernière affirme que les patrouilles découvrent en moyenne un piège par jour dans le parc des volcans. Friendly, friendly, banana, indeed. Malaria, fever, and go.
Au bureau des guides, nous retrouvons Fabrice. Capitaine de police et président d'une association de défense des gorilles en France, il a accepté d'encadrer nos touristes à la demande du tour opérateur qui commercialise le voyage. Une opportunité pour revenir là où son combat pour les grands primates a commencé. On confirme. Mon métier de policier, je le vis comme une vocation. Et puis, tout ce qui touche aux gorilles, c'est plutôt de l'ordre de la passion. En 1985, j'ai créé Gorilla. L'objet était de récolter des fonds pour financer des projets efficaces en matière de protection des gorilles. Et pour être crédible, il faut évidemment se transporter sur les lieux et connaître la problématique qui touche aux gorilles. Donc ça a été finalement ma première initiative, donc créer une structure associative et puis immédiatement aller sur le terrain pour connaître un petit peu les besoins en matière de conservation des gorilles. Alors, le conseil que je donne par rapport aux chaussures, il y en a qui parlent des bottes hautes. Moi, l'inconvénient que je trouve pour les bottes, ben, comme les tiennes, un combat pour la préservation des gorilles qui lui a permis de nouer de belles amitiés. Fabrice n'est pas revenu au Rwanda depuis 4 ans. Et malgré tout, ici, personne ne l'a oublié. Bonjour. Ça va bien ? Bien réveillé. Bien réveillé, bien dormi et vous êtes toujours en forme. Et François, mon ami François. Comment vas-tu? Oh my God, tu n'as pas changé, hein? Tu n'as pas changé. Ah, je change. Eh oui? Je suis vieux, mais non. T'es vieux, t'es le plus vieux d'entre nous. J'espère. Ah, tu peux regarder, moi c'est pareil. Hein. Le temps fait son œuvre. Hein. Et là, tu continues donc à faire visiter des groupes de gorilles. Oui, oui. Ah. Je continue. Et tu fais toujours un peu de bagarre avec eux? Non, pas de bagarre. Tu m'avais raconté une fois qu'ils t'avaient pris par le pied, là, et t'avais traîné sur plusieurs mètres. Mais c'est des pas. Ça dépend, hein. Pascal, Eliane. Moi, je suis toujours ému de revoir des amis. Le briefing, tu le fais ici, là ? Dans la mesure où, effectivement, depuis 25 ans, j'ai créé un climat de confiance et d'amitié très forte. You have a ticket ? Yeah, we're paying for the Diane Foster program. You pay for Diane Foster. It's okay, now people come Diane Foster, you come together. Je remarque qu'à force de côtoyer des touristes, tu parles maintenant parfaitement anglais. Oui, je parle anglais. Yeah, English for me now. À la limite, tu préfères presque parler anglais aujourd'hui. Anglais. N'oublie pas le français quand même. Je m'appelle François. Je n'oublie pas mon nom. Je m'appelle François, c'est que je parlais. Je n'oublie pas le français. J'ai passé mes 8 premières années professionnelles en 93 et au sein du commissariat de Saint-Denis, j'avais réservé un panneau qui était à l'époque à vocation syndicale où j'avais affiché quelques posters de gorilles, quelques bulletins d'adhésion pour que mes collègues et puis le plus grand nombre soient informés de ce que je faisais. Et mes premiers adhérents ont été des policiers. Donc ça a été des actions concrètes et ponctuelles. Donc il a fallu envoyer pour les gardes, hein, donc des pantalons, des chemises, des imperméables, des sacs à dos, des sacs de couchage. On va mettre une corde et on va s'attacher. Qui ont été, ma foi, effectivement appréciés par tous les personnels. Et tu voudrais que je vous amène de nouveaux uniformes et qui te donnaient l'impression de... être un officier. Ah, effectivement. Tous les gens te... Oui. Ouais, tout le monde veut être... Ben, c'était la fierté en même temps de le porter. La fierté. Ça dure. Et ça dure parce que c'était quand même du bon matériel, du bon tissu. En plus, quand on lave ça, c'est facile à sécher. Non, mais on avait fait en sorte de vous donner des équipements de bonne qualité. Pour ce quatrième jour de vacances au pays des gorilles, Fabrice va emmener notre groupe très haut, plus exactement à Carizoké, un lieu dit à 3700 mètres d'altitude. Là où vivait une femme qui s'est battue pour la préservation des gorilles, Diane Fossé. Cette scientifique américaine avait installé son centre de recherche tout en haut de ce volcan avant d'être assassinée par un braconnier. J'ai été vraiment fasciné par l'œuvre de cette femme remarquable. Elle a consacré 18 années de sa vie au grand singe. Et pour vivre l'expérience Diane Fossé, il va falloir marcher dans la boue et appréhender des dénivelés vertigineux. Il faut aller lentement, que tout le monde il peut arriver là-bas. Hein. Quelqu'un qui veut se reposer, tu veux me dire, il faut se reposer quelques minutes. Vous êtes fatigué, je peux aider.
après 3 heures de marche dans la jungle profonde, plus personne ne parle. Diane Fossé a contribué à la protection du gorille et je pense que la plupart des gens du groupe, d'ailleurs, tout le monde connaît l'œuvre de Diane Fossé. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Hein, ouais, c'est très beau. Vraiment, un paysage magnifique. Belle clairière, là. Et partir dans une sorte de pèlerinage me semblait nécessaire. C'est le choix que j'ai fait et que je ferai tout le temps, celui de rendre visite à Diane Fossé à chaque fois que je viens au Rwanda. Donc là, on arrive à un endroit très important au niveau de Karizoke, qui est à la fois le cimetière des gorilles et la tombe de Diane Fossé. Voilà, vous avez ici le nom des gorilles que Diane Fossé a étudié en particulier. Et vous pouvez lire le nom de Didjit, qui était, on va dire, le gorille préféré de Diane Fossé, et qui a été retrouvé à un moment donné, évidemment, victime des braconniers, décapité, etc. Donc pour elle, ça a été un moment très, très fort et très dur à vivre. Voilà, donc c'est un moment émouvant, où on peut éventuellement, évidemment, se recueillir. Et je pense que tant qu'elle restera là, l'avenir de Karizoke sera toujours protégé, et même les gorilles, je dirais. Tiens, il va ? Félix, tu veux rester, François ? Je me souviens précisément du moment où la mort de Diane a été annoncée à la télévision française. Et là, je me suis dit, bon, très certainement, il y a d'autres personnes que moi qui veulent s'engager derrière l'œuvre de Diane Fossé. Et je n'ai pas réfléchi. Dans la foulée, j'ai créé Gorilla. Des formations professionnelles ou non, ce capitaine de police aime que les choses soient carrées même dans la jungle profonde. La maison de Diane Fossé n'existe plus. Il ne reste que la cabane en ruine de ses guides. Et le centre de recherche de l'américaine a été déplacé en ville. Alors, en fait, le centre de recherche a été déplacé à Ruhengeri. Ça ne change absolument rien à la qualité du projet et à la continuité de la recherche scientifique et de l'étude des gorilles. Ça ne change rien, sauf que géographiquement, ça s'est déplacé. Il y a combien de salariés de Karizoke ? Aujourd'hui, on a un staff de... Des scientifiques ont repris aujourd'hui le flambeau de Diane Fossé. Et c'est tout naturellement que Fabrice a convié la directrice de ce centre. Une opportunité pour nos touristes de poser des questions, comme la plus importante: quel est l'impact du tourisme sur les gorilles ? Ça ne les dérange pas de... Je pense... Bon, ça ne les dérange pas, c'est un peu difficile pour moi pour le dire. Parce que ce sont toujours des animaux sauvages et je pense que chaque présence artificielle dans un environnement naturel, il y a un dérangement. Mais le dérangement qui ont fait ici avec les gorilles de montagne a aussi permis à la population de grandir. Alors il y a toujours un compromis qu'il faut faire, qu'il faut décider quand on travaille pour la conservation de la nature. Donc tous les endroits où finalement vous avez vu des emplacements avec des pierres correspondent à des cabanes. Il y a des études en cours qui doivent permettre d'établir si la présence des touristes aussi nombreux impacte sur le comportement des gorilles. Mais même si moi, quelque part, je suis un petit peu désolé de constater cet afflux très important de touristes, il vaut mieux pour les gorilles rencontrer et croiser des touristes que les braconniers. Et la présence des touristes et le revenu que dégage cette activité forcément garantit l'avenir et la survie des gorilles. Cet endroit, on en a fait une destination pour touristes. Pourquoi ? Parce qu'il y a le cimetière des gorilles et la tombe de Diane Fossé, c'est tout. Et du moment qu'il restera toujours la tombe et le cimetière des gorilles, il y aura toujours des touristes pour venir visiter cet endroit. Le tourisme des gorilles ne participe pas seulement à la préservation des primates. Au pied des volcans, beaucoup d'hôtels ont vu le jour. Des plus luxueux à 1000 euros la nuit, aux plus raisonnables comme celui de notre groupe de touristes français. À 35 euros la nuit, cet hôtel permet d'équilibrer son budget vacances bien entamé avec le prix des permis gorilles et les billets d'avion. Ici, on le sait bien, et Jeanne, la directrice de l'hôtel, n'a pas l'intention de changer ses prix. On a construit cet hôtel surtout pour les touristes de gorilles. Et c'est étonnant, un grand nombre de clients souvent ce sont des Français, alors qu'auparavant ils étaient les Anglais, les Américains. Mais aujourd'hui ce sont les Français souvent qui arrivent.
Janine, oh Janine, oh Janine. En bonne gérante d'hôtel, Jeanne passe en revue chaque matin toutes les tâches de ses employés. Des employés qui ont appris leur métier sur le tas. Car Jeanne, comme tous les hôteliers de la région, a des obligations. Il faut collaborer avec les entourages. Même les marchandises que nous vendons, on les achète ici aux entourages. Les pommes de terre, les viandes, les petits pois, les légumes. On les achète tout près de nous. Cet hôtel appartient à une association de femmes rwandaises. Le but de cette structure non lucrative est de faciliter l'embauche des femmes pour qu'elles s'émancipent. Mais des hommes viennent aussi prêter main forte. Les femmes de la région sont employées par nous, mais aussi les hommes. Parce que même si cet hôtel a été construit par les femmes, il faut qu'il y ait la complémentarité entre l'homme et la femme. Il y a des activités que la femme ne peut pas faire. Par exemple, pour le fer à repasser, il faut avoir un homme. Les femmes qui possèdent cet hôtel sont toutes veuves. Leurs maris, mais aussi leurs enfants, sont morts, victimes de la guerre civile, il y a 17 ans. Un génocide qui fit 850 000 morts en à peine 3 mois. Cet hôtel fut un moyen de redonner le goût de vivre à celles qui ont connu le même drame. Moi, je suis orpheline du génocide. Je n'ai pas ni père ni mère. Après le génocide, j'avais 9 ans. J'ai pensé que la vie était déjà terminée. Mais aujourd'hui, je travaille ici comme la gérante de cet hôtel. Mes petites sœurs aussi viennent de terminer les écoles. Et moi aussi. Si je pense à ça, vraiment je remercie le bon Dieu qui nous a gardés, qui nous a aidés. Le 6 avril 1994, 40 000 Tutsis sont assassinés en une nuit par une ethnie rivale, les Hutus. S'en suivront des massacres à travers tout le pays et bien souvent dans la maison de Dieu. Des églises comme celle-ci, où les gens entassés furent tués. Ce génocide est un épisode tragique de l'histoire rwandaise, que notre groupe de touristes a choisi de ne pas ignorer. Ils laisseront la parole à Samuel aujourd'hui, un des guides rwandais du tour opérateur qui organise leur voyage. De quoi, ici ? Il y a au moins entre 10 000 et 80 personnes qui étaient tuées dans l'église et autour de l'église. Parce qu'ils sont venus ici pour se réfugier. On disait qu'ici, on sera en tout cas bien protégés parce que c'est la maison de Dieu. On tue pas dans la maison de Dieu. Mais c'est là-haut que j'étais tué. Bon, vous allez voir ici à l'intérieur. Et tu dis qu'il y avait 10 080 personnes à l'intérieur. 10 080. 10 080. À l'intérieur et à l'extérieur ici. Vous pouvez entrer ? D'accord. Donc là, ce sont les vêtements de tous les vêtements. Toutes les victimes qui étaient ici. Les gens, avant, on disait qu'on ne peut pas tuer dans les maisons. Ben oui, pour eux, c'était le dernier refuge. Ils disaient qu'ils chantaient, ils sont venus avec les croix et tout ça, pour dire ici, on serait protégés. Pour eux, c'était vraiment le dernier espoir. C'est ça, c'est ça. Il y avait évidemment, comme on a dit, autant d'enfants que de parents, oui, etc., d'adultes, de vieillards. C'est ça. Et ça a été un massacre. Ici devant, vous allez voir aussi, ils continuaient à prier. Ils continuaient à prier. Et voilà, c'est cela. Les croix, tout ce qu'on a trouvé avec eux, tout ça. Tu vois, tout ça. Là, on imagine parfaitement l'angoisse des gens, quoi, qui sont enfermés dans l'église, mais bien fermés. Et par les ouvertures, ça mitraille et ça jette des grenades.
À l'intérieur. Jusqu'à rentrer, jusqu'à évidemment. 5h, 10h du temps, parce qu'on a commencé très tôt. Et puis on a tué avec les balles. Et puis après, ils ont continué avec les machettes, avec les gourdons, pour terminer ceux qui sont encore vivants. Jusqu'à évidemment, ils ont achevé les survivants. Si on ne garde pas, il y a des gens qui ne peuvent pas croire. Ils disent que non, c'était une guerre civile et tout ça. Ce n'était pas une guerre civile, c'était le génocide, le vrai génocide. Les enfants qui ne connaissent rien de politique, ils ont été tués. Évidemment. Qui ne parlent même pas. Évidemment. Les bébés. Comment ? C'est un devoir de mémoire, il a raison. Oui. Aujourd'hui, les enfants du Rwanda vont à l'église sans crainte. Les tensions se sont apaisées, la paix s'est installée. De l'horreur, le pays a su se relever pour se focaliser sur un développement économique auquel le tourisme des gorilles contribue. Un peu comme si l'animal préservait l'homme de lui-même. Il y a des jours où l'on ne se presse pas pour aller à l'école, surtout quand le village fait des affaires. Là, c'est le silverback. Là, c'est le SS. Il est 8h du matin et les marchands de souvenirs ont déjà dressé leurs étalages. Leur premier client n'est autre qu'un de nos touristes, il s'agit de Patrick. Médecin en province, il rêvait de ses vacances depuis très longtemps et il n'était pas question pour lui de repartir les mains vides. Je ne sais pas qui je donne. Merci. Ça fait bien 10 ans que je traque l'opportunité d'un voyage au Rwanda en particulier pour voir les gorilles de montagne. C'est un petit peu une quête des sources de l'humanité, j'ai l'impression, enfin tout au moins pour moi. Et alors les bras qu'ils ont et la musculature du dos, ça c'est vraiment impressionnant. Et puis je voulais mettre du vécu avec mes connaissances livresques sur le sujet, sur les primates, de voir leur comportement en famille, de voir leur comportement social, de voir les interactions entre les petits, les mères. Ils sont bien dessinés, hein, c'est... Patrick a choisi de ne pas se fatiguer aujourd'hui. Oui. Pour sa dernière visite au gorille, il a décidé avec sa femme et quelques membres du groupe d'aller à la rencontre d'une famille de gorilles à environ 1 heure de marche. Mais le plaisir de voir ces grands primates demeure toujours intense pour cet amoureux des animaux. Oui, on y va. Avec mon épouse, les voyages animaliers, c'est devenu notre souhait, en particulier les gorilles. C'est finalement un moment que l'on attend depuis longtemps et dont on sait qu'il va être très fort. Il y a finalement assez peu de sentiments aussi forts que celui de voir un gorille, à mon sens, hein, une famille de gorilles. On a besoin de respirer une toute petite minute. On est français, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à faire des grandes randonnées. On est pour le moment à 2500 mètres. 2500 mètres, bah c'est pour ça, moi je crache mes poumons. Ouais. Pourtant je fume pas. Ça se comprend, oui. Ça monte. Ils sont de l'autre côté. On va marcher un tout petit peu pour les rejoindre. Est-ce qu'on continue ou bien on... Famille. Si on continue ou quoi? On va bientôt arriver, dans 5 minutes on est avec les gorilles. Vous avez quand même un autre, On se sent fatigué, on a besoin de souffler, donc c'est une halle qui est bénéfique. Et on se sent très proche des gorilles, et il y a une excitation qui monte encore plus, qui est vraiment exceptionnelle, que l'on ne peut ressentir, à mon avis, que dans ce genre de situation. Merci, chérie. On fait les derniers réglages.
J'ai oublié mon deuxième boîtier. Hein, j'ai oublié l'hôtel. Ouais. Il était prêt, puis j'ai oublié de le prendre. Ça a dérapé un peu. Pas grave. On me reproche beaucoup hein, de prendre énormément de photos. Entre 3 et 4 000 photos, je crois. Plus des films, puisque ce genre d'appareil photo permet de faire des films. C'est de la gourmandise. Oui, c'est... Dans ce lieu, j'avoue avoir pêché. Ça va, oui. Encore une fois, soyez le bienvenu ici. On n'est pas très loin des gorilles. Vous avez pris les caméras. Tout ce que vous allez utiliser pour prendre les photos, vous en avez avec vous. On peut continuer aux gorilles. Merci. Approchez ici, approchez à moi. Venez à moi tout le monde. Là, derrière, vous venez à moi. Les gorilles sont capables de passer à 10 cm de nous, finalement, sans bruit, sans faire de... sans manifester leur mécontentement. On sent qu'ils nous regardent, qu'ils nous scrutent, qu'ils nous étudient peut-être aussi, je ne sais pas. Alors, c'est pas... un regard bleu, intense, magnifique, hein, comme on peut le rencontrer dans l'espèce humaine. Mais c'est un regard des yeux marrons, très intense, très profond. Un regard qui accroche, qui est assez exceptionnel finalement. Un regard qui émerveille Patrick, comme le comportement de ces grands primates. Un jeune mâle fougueux va défier celui qui règne en maître sur cette famille. Sans hésiter, le jeune mâle va essayer de pénétrer sur le territoire du chef sans demander sa permission. Le dos argenté, sans bouger, en un seul regard, va lui faire comprendre qu'il ne faut surtout pas qu'il essaye. C'est magnifique. C'est le peuple des grands sages. On est des imbéciles. C'est vrai qu'on a une société qui ressemble énormément à la société humaine. Nos ancêtres très lointains vivaient probablement en groupe comme cela, avec des familles, avec probablement également un mâle dominant. Il y avait un tout petit bébé de 6 mois, et c'était très rigolo de le voir interagir avec ses sœurs et frères, probablement, avec sa mère. Il grimpait sur sa mère, sur ses frères et sœurs, il les bouscule un petit peu. Et puis, ce qui était très rigolo, c'est qu'il s'éloignait de sa mère de 2-3 mètres. Et immédiatement, il se rendait compte qu'il était tout seul. Il revenait très rapidement vers sa mère. Ah, c'est déjà fait marcher. Il y a une interaction extrêmement importante dans le développement du bébé gorille. Pendant 4 mois après la naissance, il est constamment avec sa mère. Et ce n'est qu'à partir de 1 an et demi qu'il s'autorise à aller au-delà de 5 mètres de sa mère et donc à découvrir son environnement. Ce jour-là, à environ 5 km de la frontière avec la République démocratique du Congo, Patrick aura atteint son quota maximal de photos. Des milliers de clichés qu'il sélectionnera soigneusement pour son album souvenir. Mais il y a quelque chose qu'il n'oubliera pas de mettre dans sa valise avant de prendre l'avion demain pour la France. Un diplôme qui certifie qu'il a bien rencontré les gorilles des montagnes du Rwanda. Maintenant, je vais vous donner les certificats pour certifier ce que vous avez fait aujourd'hui. Et je pense que quand vous serez chez vous,
vous aurez l'occasion de montrer les certificats aux amis. Céleste, Dominique. Bravo. Félicitations. Merci. Tu as bien fait. Merci, chef. Oui. Avec combien de points? Ouh. Où est-ce? Tu viens? Je redouble. Tu as bien fait. Je redouble. Merci. Patrick. Tu es allé ici. Bon à causer. Tu as bien fait. Je suis ravi. Voilà, les efforts sont récompensés. Magnifique. J'ai été conquis par l'accueil du peuple rwandais qui est vraiment chaleureux, affectueux. Quand on connaît les événements tragiques qui se sont passés, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé finalement. C'est pour ça que les gorilles nous donnent un autre aspect de ce que pourrait être l'humanité finalement. Cette quiétude, cette sagesse en quelque sorte. Je crois qu'il faudrait rebaptiser le nom de ce peuple. C'est pas le peuple des singes, c'est à mon avis le peuple des sages. Les 200 millions d'euros que rapporte le tourisme des gorilles permettent également à toute une région de se développer. 5% de ces revenus sont attribués à la population qui réside au pied des volcans. Ainsi, dans les champs, on cultive toute l'année, et ceci grâce à un centre d'agronomie qui a été construit. Plusieurs hôpitaux de campagne ont également vu le jour. L'eau potable est arrivée dans les villages et les routes ont été goudronnées. Des écoles ont aussi été construites et permettent à plus de 2000 enfants de suivre une scolarité tout au long de l'année. Comme cette école primaire dont Cyprien est le directeur. Aujourd'hui, il est fier de nous présenter ses instituteurs et surtout ses jeunes élèves. Ok, vous allez, mais... Hein? Ok. Abana, dufite abashitsi, baturutse mu Faransa, bakora kuri televiziyo y'u Faransa. Bityo rero, ndagira ngo mubasuhuze, mubishimiye. Nimugire amahoro. La relation entre Gorille et cette école, c'est une relation très étroite parce que c'est grâce aux Gorille que cette école a été construite. Maintenant, plus de 97% des enfants d'âge scolaire est à l'école. C'est vraiment admirable. Bien avant, les enfants effectuaient plus de 5 km à pied pour atteindre le centre scolaire. C'est pourquoi, dans les temps, le taux de scolarité était très bas, parce que les petits enfants craignaient le long voyage. D'autres choses à dire, les enfants ont profité de cette école. Ils étudient très bien. Cette année, tout le monde a réussi 100% l'examen fin du cycle primaire. Ils vont continuer les études jusqu'à l'université et ils vont gagner la vie. C'est grâce aux gorilles. Dans cette école primaire, on apprend bien évidemment la langue maternelle, le kinérwandais, mais aussi l'anglais dès 7 ans, les mathématiques et les sciences. Sans oublier le français. L'école a amélioré le niveau de vie de la population. Les enfants apprennent ici à l'école. Arrivés à la maison, ils aident leurs parents à lire, à écrire. Par saison, un ménage peut vendre 3 tonnes de pommes de terre. Alors, l'enfant
scolarisés de mon école intervient, aide ses parents à calculer et à trouver combien on lui doit. Et l'acheteur ne peut pas voler les parents en présence d'un enfant étudiant, un enfant scolarisé. Voilà la chaîne, voilà la participation des gorilles dans le développement socio-économique du pays. Donner la joie, chante la petite classe de l'école de Cyprien. C'est peut-être la morale de ce tourisme des gorilles au Rwanda. Trouver le bon compromis entre l'homme et l'animal pour que chacun puisse vivre sans nuire à l'autre. Demain, 15h10, Paris-Dakar, Paris-Bitume. Première partie, de Paris à la Mauritanie, sans faire la course, mais en prenant le temps de la découverte. 15h40, l'univers. Calendrier ou boussole, le ciel sert à ceux qui marchent le nez en l'air. Petite leçon d'histoire de l'astronomie. 16h30, Kushti, la lutte indienne. Comme Mouna, de la caste des Yadavs, initiez-vous à une version épicée de la lutte gréco-romaine. 15h10, Paris-Dakar, Paris-Bitume. 15h40, l'univers. 16h30, Kushti, la lutte indienne. À demain. Tout de suite. Après, c'est l'info. C'est-à-dire, Axel de Tarlet reçoit le ministre de la Ville, Maurice Leroy, pour parler du bilan de Nicolas Sarkozy à un an de la présidentielle. Découvrez Steradan Anti-Tartre Pro. Comme le dentiste, il nettoie votre appareil en profondeur, il dissout le tartre dès la première utilisation et élimine 99% des bactéries pour un appareil parfaitement propre et un sourire éclatant tous les jours. Steradan Anti-Tartre Pro. Je fais attention à mon équilibre, mais j'ai pas renoncé au plaisir. Mon truc, c'est Activia 0%. C'est trop bon pour un 0%. Sans matière grasse, sans sucre ajouté, avec de gros morceaux de fruits et son Bifidus Acti Regularis. Je peux mettre ce qui me plaît. Et ça me va. Elles savent pourquoi elles l'aiment. Activia 0%. Nouveau, Activia 0% existe maintenant en nature. Découvrez-le vite. En ce moment, il est 100% remboursé. Hervé n'aura jamais l'occasion de vous rassurer. Voici notre agence. Mathieu, c'est votre argent qui le préoccupe. Je vois qu'on a un problème avec sa carte. Daniel est conseiller funéraire et spécialiste de la prévoyance obsèque. Lui seul peut vous garantir que votre projet et vos volontés seront totalement respectés. Testament obsèque, le contrat prévoyance des spécialistes du funéraire. Pour plus de renseignements, appelez le 3123. De la fraîcheur, de la gourmandise et du peps. Typhine Fizz, c'est de l'eau de source, des fruits, des fines bulles, rien que du plaisir. Et ça fait du bien. Typhine Fizz fait pétiller les femmes. Comment dire? Elle m'apprend à mieux vivre ma maladie. Si je vous dis qu'elle calme mes douleurs, vous me comprenez? Cette médecine, elle sait soigner le stress. 97% des patients disent ressentir des effets durables. Grâce à elle, après mon accident, j'ai repris plus vite que prévu. La médecine thermale, efficace pour longtemps. Médecinethermale.fr. Plus de temps à perdre le matin? Découvrez le nouveau lait hydratation express de Nivea. Sa texture ultra légère est vite absorbée. Vous êtes aussitôt habillé. Et vous profitez de plus de 24 heures d'hydratation grâce à la technologie brevetée HydraQI. Changez pour le nouveau lait hydratation express de Nivea. La présidentielle, les déclarations des uns, les sous-entendus des autres, les alliances, les trahisons, les projets, les enjeux, les promesses. Ah, la politique. Dimanche, Géraldine Mulman reçoit Xavier Bertrand. C'est politique, en direct et en public, dimanche à 17h40 sur France 5.